Une recette de burger au poulet hyper gourmand et facile à faire à la maison, j'ai exactement la recette qu'il te faut. C'est parti ! Bon, pour commencer, tu vas prendre le pain à burger de ton choix, je te conseille de prendre des briochés, ça sera bien meilleur. Ensuite, tu vas les faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre. Dès que c'est bien doré, tu les mets de côté et pour la suite, tu vas te couper une escalope de poulet en deux. Ensuite, dans un grand récipient, tu vas venir mettre de la farine avec un peu de paprika. Tu mélanges bien le tout et dans un second récipient, tu vas venir mettre 3 œufs entiers avec un peu de sel et du poivre. Tu vas bien tout ça avec une fourchette pour obtenir un mélange à peu près homogène. Tu auras également besoin de prendre une petite casserole avec un peu d'huile. Maintenant, pour faire notre poulet frit, rien de plus simple, tu prends ton escalope que tu vas tremper dans la farine puis dans l'œuf battu. Enfin, tu la trempes une dernière fois dans la farine comme moi dans la vidéo. Après, ça part dans l'huile bien chaude pendant 6-7 minutes. Pendant que c'est tranquillement en train de cuire, on va se préparer une sauce. Pour faire ça, rien de plus simple, une cuillère de mayonnaise, une cuillère de fromage blanc avec un peu de jus de citron. Tu peux également te couper un peu de ciboulette que tu vas ajouter dans ton mélange. Quelques coups de moulin à poivre et tu remues bien le tout. Pour le dressage du burger, rien de plus simple, tu mets de la sauce sur le pain du bas avec ton poulet frit directement par-dessus. Il te reste plus qu'à mettre deux belles tranches de cheddar que tu vas faire fondre avec un chalumeau avec de la salade. Et t'as plus qu'à les guster. Et au fait, si jamais tu cherches une